Aujourd'hui, Central CID, in al kout Madame Kisnen, pour al prendre Madame Kisnen, pour amener dans Cybercrime Unit. Moi, je suis à la maison, je peux faire les autres affaires, nous devons cancel tout, monsieur Tilak d'arrêter dans la cour, nous cancel tout, nous devons répondre présent ici. Et raison, c'est Central CID peut faire une enquête. Law false and malicious declaration in writing. Et ça, c'est l'enquête qui Central CID peut faire. Moi, comme un avocat, je ne trouve pas rien là-dedans. À moins que vous ne compreniez pas la loi. Si vous comprenez la loi, vous pouvez trouver qui est là, qui est là. C'est à cause de ça qu'à ce stade, quand l'enquête est terminée, nous avons eu un dossier DPP. Pour les gens qui comprennent la loi, qui à l'université pour apprendre la loi, les gens là servent de legal knowledge pour interpréter la loi qui dit. Je ne pas pour dire ce qui est arrivé dans l'enquête, mais je vous dire que moi, comme un homme de loi, je ne trouve rien, je ne trouve aucune raison, zéro raison, qui fait une madame Kisnen Zodi. Ça, c'est mon point de vue personnel, comme un avocat qui connaît lire la loi. C'est tout qui m'a capable de dire. Moi, je ne peux pas comprendre. Demande-moi ce qu'il a d'arrivé. Nous sommes madame qui est en avant, elle est là, nous pouvons faire. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, vers 1h, 2h pour là. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis préparé par le grand bassin et mon garçon, Pessoy et Kavol, mais ils m'ont pas resté Zwenli pendant une vingtaine pour moi. Pour me tu déjà de l'enquête mais tu finis prévoir pour lundi prochain parce que j'ai dit tu n'as pas le grand bassin mais finalement mon pan tu as tu peux aller même les mêmes heures retourner pendant une 16 mois pour concernant l'enquête est-ce que tu n'as pas adressé non tu n'as des messieurs avec une madame oui non c'est à dire me tu déjà peux donner l'enquête. Je ne sais pas continuer l'enquête là, mais je suis obligé de venir. Mais là, je suis venu, je téléphone mon avocat, tout ça. Là, mon avocat, nous venons ensemble. Vous pensez au pays d'impression, vous pensez? Non. Non. Une passeport étant là? Tout une passeport. Madame Gisnen, permettez-moi. Sa convocation là, les suites à une déclaration que Madame Gisnen a fait le 30 janvier 2021 à 16h03. Dans la police Moka. C'est suite à ce complaint qu'il vient faire, que les trouve vidéo peut circuler, peut garder sur l'image. C'est suite à ça, madame là maintenant, lui, comment dire, sorti de dans statut victime, maintenant lui vient un peu dans statut accusé comme si moyen. Question qui nous pose nous, qui urgence tiena pour arrêter madame Kisnen l'après-midi, aujourd'hui. Qui urgence tiena quand tu finis ton d'accord hier moi tu finis cause en madame Kisnen finit explique moi aujourd'hui li exogoson pe sorti pour le grand bassin right? Je vais le faire pèlerinage grand bassin qui urgence et nous tu finis ton d'accord avec enquêté hein? Nous pouvons venir lundi matin mais moi ça revient de la situation volte-face. L'après-midi, je peux arrêter les, je peux amener les casernes. Je ne peux pas comprendre qu'il y a un sténat. Et surtout, madame, je peux questionner Madame Kisnen concernant cette déclaration. C'est-à-dire de faire une déclaration Breach of ICTA. Breach of ICTA en janvier 2021. Mais quelle urgence est-ce là? Et nous fin apprendre qui je pas fin même question pas des monde qui fin met en cause et na un personne appelle Jai Gubin et na un autre personne appelle Sad Bakas
Sainte-Pacas. Jaib Gobin, Sainte-Pacas. Chirine, Sainte-Bocas. Et pas fin interviewé, je pense aux escalaires, pense aux branches de version. Et pense aux demandes qui font que je ne gagne pas les images là, qui font que je ne diffuse pas les images là. Et je te montre un clip pour faire 100 ans. Right? Mais qui fait pas interviewé, je janvier 2021, nous aujourd'hui en mars 2024. Une affaire basique, Bridge of IC. Respect.